Bon, Matt, t'as écrit et produit la web série Adrienne. T'as-tu les bons commentaires des 6 personnes qui l'ont regardé? Tu gagnes ta vie depuis quand même longtemps en humour, mais t'as pas encore percé. D'après toi, y a-tu vraiment de la place pour 2 Stéphane Fallu au Québec? Je suis allé voir le gala du 25e anniversaire de l'École nationale d'humour. Je pensais te voir sur le spectacle, mais je t'ai pas vu. T'étais où dans le show? Ben, moi, j'étais celui qui réchauffait la foule avant que le spectacle commence. Ok, c'est que tu jouais avant que le spectacle commence, puis mettons, on jouait à l'entracte. On te voit souvent à Télétoon la nuit faire les mêmes jokes. Est-ce que c'est un peu pour habitude publique à faire ce que tu fais sur scène depuis 5 ans, c'est-à-dire les mêmes jokes? Ouais! C'est-tu, c'était qui la bière? La bière, ben, c'est ta personne. Je me sens mal. Non. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont de la misère à puncher sur scène, c'est que ce qu'ils font, c'est des tunes comiques. Toi, tu sors un one-man show carrément avec un guitariste, trouves-tu que c'est de la triche? Matt, on t'a souvent vu pendant longtemps avec des chandails avec une cravate dessinée. C'est-tu parce que ton psychologue te disait qu'avec une vraie cravate, tu pourrais peut-être te pendre? T'as-tu des objectifs pour la prochaine saison, genre cégep en spectacle, faire l'abreuvoir ou devenir drôle? Ben, je voulais peut-être venir jouer au jockey, mais tout le monde me dit que tu peux pas rentrer dans ce bar de marde-là. C'est-tu ton bar, ici? Ouais. Il y a vraiment beaucoup de clients. Hein? Pour terminer, je te dis que si t'as besoin d'aide, n'importe quoi, pour de l'écriture, pour jouer tes affaires, je te dis, gêne-toi vraiment pas, le caméraman est disponible. Ah, ben super, super. Moi, je suis allé voir. C'est quand même le fun de se faire caler par quelqu'un qui vient de tenir l'école de mots. Ouais, ça va sûrement marcher ton affaire. Il y a du monde qui tombe des histoires, là. Je suis en train de me tirer dans le pied solide, là.